salut tout le monde, là on vient de partir pour une petite session sur un plan d'eau qu'on connaît super bien, c'est là qu'on a commencé notre début de la pêche. Donc on est parti pour un petit 48 heures, donc là je viens de placer ma deuxième canne, je suis avec Mathieu en bateau, et on vient de trouver une superbe cassure, j'ai installé le marqueur, là on va amorcer, j'ai mis le marqueur sur le haut fond, et nous on va pêcher 2 mètres avant dans le bas de la cassure en fait. Il y a pas mal d'échos de poissons sur le spot et tout ça, on verra bien, on croise les doigts en tout cas. Pour la nuit, tout est installé, les pêcheurs d'en face ont sans doute dû faire un poisson. On a buissonné et puis la frontale sur le poste, donc à mon avis ils ont dû faire un premier poisson. Donc c'est plutôt bon signe. On a vu pas mal de poissons avec les échos sur le dipper. Donc on verra bien, on croise les doigts, c'est parti. Voilà, une nuit assez fraîche, ce matin il devait faire 7 degrés à peu près. Et donc Alexandre fait juste une brème. Donc c'est assez compliqué, mais bon, on a vu quand même quelques fouilles, quelques remontées et pas mal d'échos quand même. Donc on sait pas trop quoi faire, on va peut-être bouger, on va peut-être changer de poste. Allez, c'est parti. Changement de poste. Ouais. À 3, c'est bien. Salut, je m'en vais. Arrivé sur le spot, voilà, autour de l'île là on a déjà vu 2-3 poissons sauter et un poisson en surface à l'ombre là dans les arbres. Voilà, donc on va déposer à ras les arbres.
attend le niveau du bosquet. On a vu le poisson tout à l'heure. Derbier, toi, regarde! Oh la vache! Ah, il n'y a plus un seul herbier. Dans le bas de la pente, c'est parfait. Hop, c'est bon, nickel. Donc, s'il y a le moindre poisson, on sait quoi faire. Bateau. C'est pas tout petit. Après, c'est un super spot. Là, tu vois, il n'y a plus un seul herbier. Zéro, nada, bueno. Donc là du coup on vient de trouver en fait un bas de cassure avec le dipper et en fait il y a énormément d'herbiers cette année sur ce lac et du coup on a trouvé un super endroit en fait juste derrière l'île, donc on partira tout de suite en bateau s'il y a un départ pour assurer le combat, pour éviter que la carpe en fait elle aille à droite vers les obstacles et elle ira je pense, donc tout de suite on prendra pas contact, on restera en bateau, mais voilà, on va attendre tranquillement, proprement. Un fond qui est relativement dur en bas de cette cassure, on a vraiment un fond propre, on le remarque bien nos dipper, on le sent bien nos plombs. Donc voilà, c'est tendu et puis on retourne go sur le poste tente cette canne là. Alex, départ! Alex! Tellement d'herbiers. Ah si, il y a quelque chose. Yes. C'est bon, good. Ouais. Et voilà, du coup, premier poisson, au bout d'une heure de pêche, la canne qui est tendue derrière l'île, en fait, dans le bas de la cassure, là où il n'y a aucun herbier. Voilà, on s'en doutait qu'on allait faire un poisson sur ce spot. C'est un super spot où le poisson passe juste derrière l'île, justement. Donc on a bien amorcé, et voilà, premier poisson au bout d'une heure, ça fait plaisir. Elle était tankée dans les herbiers, je suis allé la chercher en bateau, elle était prise dans une grosse masse, donc on n'a pas eu de combat. Mais un super poisson, génial, on va la vite la remettre à l'eau. Ah, elle passe sous le bateau. Et juste là, ça y est. Vingtaine de minutes qu'on a pris le premier poisson. Donc c'est cool, on s'est installé rapidement, on connaît bien le poste, c'est là qu'on a débuté la pêche, donc ça fait plaisir de revenir là après bien 2 ans d'absence sur ce poste au moins, si c'est pas plus. Donc voilà, les cannes sont tendues, ça a bien changé par rapport à avant, il y a des herbes de tomber en plus sur l'île et puis on a un gros problème cette année sur ce plan de là, c'est qu'on a énormément d'algues et là le dipper il nous aide énormément. Je pense que sans lui on aurait bien galéré, même à sonder à la canne. J'ai un ami qui a sondé à la canne,
Il a sondé 8 mètres de fond tellement que le fil était bloqué dans les algues. Donc là, c'est vraiment l'avantage du dipper. Que ce soit du bord ou en bateau, c'est la précision. Et ça, c'est vraiment pas mal. On arrive à trouver des belles trouées, des belles cassures, des spots qui sont vraiment intéressants et on vous montrera tout ça en images. Je commence à bien le connaître. Le plan d'eau, si tu veux, en fait, je regardais pas ça du tout avant. Mais sur chaque session, maintenant, je regarde une semaine comment qu'est le vent. Si le vent tape d'un côté plus que de l'autre. Quand le vent vient du nord, il se met là-bas, vent de face. Quand le vent tape là-bas, il se met là-bas et il fait une carte. Vite. Oh putain. À mon avis, il y a un problème, ça a pété au nœud du bâclier. Du coup, je suis en train de refaire un montage complet. En fait, j'ai changé de stratégie. On vient d'avoir une déroule dans la canne qui est placée juste devant l'arbre au niveau de l'île, sur la pointe de l'île. On s'en doutait que ça allait dérouler. Donc là, on passe directement en tresse. Et avec ça, il n'y aura pas de souci. Voilà, j'ai refait mon montage. On avait monté en fait, donc je suis en corde de ligne en tresse directement pour pouvoir brider le poisson pour pas qu'il aille dans les arbres. Ensuite, du coup, un bel ligne en tresse également. Tresse gainée, voilà, de la Fox, ça tient toujours super bien. Un petit hameçon en crank parce que j'adore l'agressivité de cet hameçon. Un montage avec Q des rigs avec un petit dumbbell de chef oublié de fraîche en floating cream. À ça, du coup, j'ai directement monté 5 mètres de tête de ligne en 50 centièmes. Pour éviter tout ce qui va être abrasion et tout ça, elle est vraiment résistante à l'abrasion cette tête de ligne. Un cul de plomb, un plomb normal, et ensuite un petit mètre plus haut, en fait, je vais monter directement une olive, voilà, qui ne peut pas descendre plus bas, elle est bloquée, mais qui peut coulisser quand même. Et en fait, qui va permettre à ce que mes derniers mètres de fil soient plaqués sur le fond, ce qui fait que quand le poisson va tourner autour de l'amorçage et autour du piège, on va dire ça comme ça, du bas de ligne. Il ne va pas se prendre dans le fil va être entièrement plaqué sur le fond. Bouillette, c'est pas ce qui dure longtemps. Donc là voilà, on arrive sur le spot que je viens de louper le poisson, donc c'est juste l'arbre ici. Je pêche vraiment en fait entre deux branches, la première ça passe largement, c'est la deuxième en fait elle est partie dedans et je sais pas ce qui s'est passé. Encore eu un problème avec le fluorocarbone, donc là on a changé complètement de montage et on devrait plus avoir de problème. Voilà, là, à 19h30, un départ. Oh, ça a l'air joli. Ouais, c'est joli en fait. Ah oui, wow. Je t'avais dit ça. Voilà, génial. On a bien fait de changer de poste. On savait que le poisson allait par là, on a vu que, de toute façon de l'autre côté, il n'y avait pas du tout de... Bah, du tout d'activité, alors que de ce côté là il y a pas mal d'équipes qui déroulaient, et puis à la connaissance du lac on sait bien comment le poisson réagit par rapport aux conditions climatiques, et là ça paye, voilà, on s'en doutait. Troisième départ sur la canne tendue en plein milieu des herbiers, et là il y a vraiment un très 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 joli poisson. Je vais de la coucher si tu veux. Yes. Wouh. Bien joué ça. Voilà, à 19h30, sur la canne de gauche, Alexandre, sur un spot vraiment au milieu d'herbier, sur une trouée qu'on a trouvé grâce au dipper, vraiment un grand atout pour cette pêche. Voilà un super poisson qui doit faire 10 kg à peu près. Et voilà, prise avec une pop-up fruity cream. Voilà, en test. Un super poisson. Yes.
voilà, le quatrième poisson, enfin quatrième départ. On fait 4 départs pour 3 poissons, ça y est. C'est bien lancé en tout cas ce début de 24 heures, top. On va bien s'attraper, on a bien fait de changer de poste. Toujours bien suivre le poisson, peu importe si on avait envie de se mettre sur un poste. Il faut toujours chercher à comprendre la pêche et à trouver le poisson. Voilà, là on pêche dessus, le poisson il est là, on amorce comme il faut, on pêche bien proprement. On a sondé tout le dipper. Là c'est la canne à Mathieu qu'on a déroulé. Et comme on partage les départs, bah, j'aurais pris le départ. Un super poisson qu'on a pris à Ralille justement, au niveau d'un bosquet. Voilà, avec une petite pop-up rose sur un montage 360. Yes! Voilà! Yes! Ouais, même! De bonnes frites! Pour péter les gars! Juste petit resto à côté qui est super sympa sur ce bandeau. Yeah! Voilà, au lever du soleil, une petite coco sur la canne de gauche. Après deux poissons cette nuit, donc on a mis un sac qu'on va vous les présenter tout à l'heure. Voilà, un super poisson. Yes. 7h30. Levé du jour, une jolie petite commune. Voilà, prise sur la canne de gauche à Alexandre. Donc avec une fruit rouge en 16 mm, surmontée d'une pop-up petit crime en 16 mm. Voilà, en test. Voilà, un super poisson qui fait bien plaisir. Voilà, encore au milieu de la grosse tache gerbier, sondée grâce au dipper. Ça fait le taf. Voilà, super poisson, on va la remettre. Et voilà, poisson pris à 3h30 du matin. Donc voilà, au niveau de vraiment de l'arbre qui tombe dans l'eau sur la canne Alexandre. Voilà, super commune, d'à peu près aussi 10 kg. Voilà des poissons calibrés du même calibre. Prise avec une wafter fruity cream. Voilà, un super poisson qu'on va gentiment remettre à l'eau. Génial. Lève la tête. Yes, I. Donc là voilà, on passe un 24 heures plutôt pas mal. Bon, on aura réussi à trouver pas mal de spots. Et moi je vais vous parler un peu plus en détail parce qu'il y a beaucoup plus de personnes à nous en parler depuis qu'on l'utilise. C'est ce fameux dipper. Le dipper c'est quoi? C'est une petite boule en fait. Et c'est un éco-sondeur. L'éco-sondeur qui va nous permettre en fait de pouvoir détecter vraiment les spots. Ça va éviter tout ce qui va être sondage à la canne et on va avoir une précision et on va pouvoir vraiment voir ce qu'il y a sous l'eau. Ça va nous donner vraiment de très très de bonnes informations qui vont vraiment être utile. Donc là, le long de cette session,
Donc on a commencé par une session, un premier poste où en fait on a sondé avec le Deeper Pro Plus parce que j'avais plus de batterie sur le Deeper Chirp. Je l'avais pas réutilisé, on l'avait pas rechargé depuis les Alpes et depuis ma dernière session que j'avais faite. Donc on a utilisé le Pro Plus. Donc ça nous a permis de trouver des cassures, choses comme ça. Et là, on a utilisé aujourd'hui, du coup, pour ce poste-ci, le Deeper Chirp Plus. C'est la nouveauté de Deeper cette année. Il est beaucoup plus précis que le Pro Plus. En fait, ça va être un Deeper qui est beaucoup plus performant. On va avoir toujours la même portée parce qu'il est lançable à la canne. Et ça, c'est vraiment un outil, du coup, presque indispensable maintenant que je ne peux plus me passer d'avoir toujours dans ma caisse de pêche. Parce qu'il est lançable à la canne et il est utilisable sur un bateau à l'aide du petit bras flexible. Donc, le petit bras flexible qui va permettre toujours au Deeper de rester à la surface de l'eau. Il vient ensuite se fixer directement sur le bras flexible à la surface. Voilà, attaché au bateau. Donc le Deeper Chirp Plus ici, on l'a utilisé essentiellement pour trouver en fait des trouées au milieu des herbiers et des cassures. La canne qui a déroulé hier la première, c'est ma canne qui est passée au plus loin en fait, qui est dans le bas d'une cassure après d'énormes herbiers. Donc on vous montrera l'écho en même temps que je parle. Et ma canne qui fait deux poissons, ma canne à gauche, qui est en fait au milieu d'une jungle d'herbiers. C'est vraiment la jungle d'herbiers, vous verrez, ça monte jusqu'en haut. Et j'ai réussi à trouver une super tache de gravier, une super tache en plein milieu des herbiers qui m'a permis, du coup j'ai mis tout de suite un repère. J'ai commencé en fait par prospecter avec le large cône, je suis passé au moyen et j'ai fini par le tout petit cône. Pour avoir vraiment la précision sous le bateau pour voir un peu comment était le spot. Donc en fait, l'avantage d'avoir trois cônes sur le Deeper, c'est vraiment de pouvoir sonder au plus large, en cartographie en même temps. Le médium va permettre. Le médium, je l'utilise beaucoup plus que le grand en fait, si vous voulez. J'utilise le grand pour cartographier et le médium ensuite pour vraiment prospecter au maximum avec de la précision. Et je passe au cône le plus petit pour vraiment prospecter le spot sur lequel je veux pêcher. Voilà, donc c'est trois cônes très importants et il faut savoir bien les utiliser. Donc je pense qu'avec les explications que je viens de vous donner, vous avez quelques petits détails en plus sur le Deeper. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions sur ce produit-là dans les commentaires ou sur nos pages Facebook et Instagram à nous demander. On sera là pour y répondre. Mais voilà, en tout cas un outil indispensable pour nous pendant cette session parce que sinon on aurait eu vraiment du mal avec les herbiers. Mon poisson de cette nuit, le deuxième poisson de la nuit, pris à 5h du matin sur la même canne. On aura retendu vraiment pas longtemps après, ça aura tout de suite déroulé. Un amorçage constitué de billes de différents diamètres et de différents parfums qui me restaient dans les paquets de chez FAO Billettes Fraîches. Un petit Dumble Fruity Cream, ça a réussi super bien en 16 mm. Et voilà, ça fait le taf. Un super poisson pris à ras les obstacles, frein serré, la canne attachée avec une sangle. Et puis voilà, ça sort tout de suite les poissons. Les poissons ne vont pas se réfugier directement dans les arbres, ils ne peuvent pas tirer. Donc nous on est tout de suite au cul des cannes et puis voilà, ça fait le taf. Super poisson, on va vite la remettre à l'eau. Et on est content, super session.